Je suis assis dans la voiture Le Yacht, Elica. L'ingénieur Le Yacht a projeté cette voiture en 1913. Il a fait le premier prototype, le deuxième prototype 1914, et après un prototype 1919, et après a commencé une production qui a continué jusqu'en 1926. Au total, il a fait plus ou moins 26 voitures, dont il y avait des voitures fermées et des voitures ouvertes comme la mienne. La mienne, c'est exactement comme celui-là qui est au Conservatoire d'Art et Métiers. C'est une voiture avec laquelle je fais des rallyes en Italie, parce que là, je suis italienne. Et je marche à presque 100 km/h avec. La voiture, elle a un moteur Anzani, qui est le frère du moteur qui a fait la traversée de la Manche avec le Blériot 11. Elle tourne assez doucement, mais la voiture atteint à presque 100 km/h sur la plaine. Elle a beaucoup de problèmes à monter. Mais quand ça prend une descente, ça devient très dangereuse. J'ai trouvé la voiture en pièces en France. Ça manquait la caisse et on a reconstruit la caisse, mais la mécanique, le moteur et tout ça, c'est d'origine. Absolument. Je m'amuse beaucoup et je trouve que c'est fantastique de maintenir l'histoire de ces engins extraordinaires qui font partie de l'histoire de l'automobile.